Alors, une participation à l'Eurovision, c'est dû à mon manager qui, quand on avait fini la chanson Fulen, il nous a proposé parce qu'il a vu en fait une pub sur internet et du coup il nous a demandé très simplement est-ce que vous pouvez participer à l'Eurovision et on a dit let's go, c'est marrant. Alvan et moi on s'est rencontrés dans un bar à Rennes, très bretonne comme rencontre. Hein. Puis en fait on est vite amené à parler de musique et c'est vrai que bah, nous trois dans nos formations musicales respectives, c'est vrai qu'on on part de la tradition, mais on explore aussi d'autres univers musicaux à travers la tradition. Donc, en fait, c'est plus le public, l'énergie du public qu'on ressent. Alors, on sera quand même devant des milliers de personnes. C'est vrai que, pareil, on a du mal à concevoir ça. Je pense que ce sera la plus grande scène qu'on ait jamais faite. Oh oui! Sans doute. Sans aucun doute, même. Et voilà, en fait, donc on appréhende pas tant que ça. Je pense qu'on va se concentrer sur l'énergie du public. Et puis ouais. Après, bon, les 180 autres... millions de personnes, bon, on y pensera après. Alors là, pour l'instant, on se concentre exclusivement sur l'Eurovision, sur le gros show qu'on a préparé, sur la promotion de cette chanson, de Fulen. Donc on est plutôt très bien occupé. Et puis voilà, on veut vraiment donner du meilleur de nous-mêmes pour cette chanson-là, pour cette expérience-là. Donc les projets futurs se dessineront un peu plus tard. En breton, on dit chance va pour dire bonne chance. La 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 la